Jonathan est avec nous pour nous parler de cette manifestation. C'est la première fois d'ailleurs qu'on lance un défilé de mode, on va dire qu'on fait la promotion d'un défilé de mode, notamment ce défilé de mode qui va se passer sur Montpellier. Voilà, Jonathan, il est avec nous, vous le voyez, pour nous parler de ça. Alors c'est son premier défilé de mode en Occitanie, on va y aller par précaution quand même. Qu'est-ce qu'il a de particulier, puisque tu es le créateur de la marque et notamment le Made in. Made in Paris, c'est toi. Made in Montpellier. Excuse-moi, parce que je ne t'entends plus et je ne te vois pas. Alors. C'est un peu embêtant. Ouais. Oui, c'est embêtant. Là, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Là, je t'entends et je te vois. Mais bon. Ça coupe, alors je ne sais pas si c'est moi. Vas-y. Alors, on va quand même procéder au truc. Parle-nous un petit peu Alors, on va parler du défilé de mode, mais avant tout, de cette marque, parce que ce n'est pas une marque comme les autres, c'est une marque connectée, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, oui, c'est mon premier événement en Occitanie, dans l'Hérault. Donc, parce qu'à la base, moi, je viens de Cergy, dans le Val d'Oise, en région parisienne, d'où mon t-shirt Made in Cergy. Donc, c'est le nom de ma ville où j'ai grandi, ouais, et où j'ai créé cette marque de vêtements connectés. Donc, il y a à peu près 5 ans, 2019, où j'ai eu l'idée de créer une marque pour représenter ma ville. Et au lieu de représenter son quartier, vaut mieux représenter sa ville parce qu'on est plus fort et puis on est fier d'où on vient. Et depuis que je suis arrivé en 2021 à Montpellier, donc j'ai eu l'idée de développer le concept dans le sud, ici, et justement, plus particulièrement à la Grande Motte, où je réside depuis 2022, et où j'ai lancé la marque Made in Grande Motte, donc pour représenter les habitants, les commerces et les associations. Et là, cette année, je lance Made in Montpellier pour aussi permettre de faire connaître ce concept de vêtements connectés. Donc, qui permet, en scannant le code barre, là, que vous voyez, d'avoir des informations sur la ville où on se trouve. Donc, suivant le nom du t-shirt, eh ben, vous pouvez avoir soit les meilleurs restaurants, en tout cas ceux qui sont partenaires, les associations ou les lieux à visiter aussi, tout ça en scannant le code barre, on va dire comme un QR code, mais j'ai eu l'idée de reprendre le code barre pour permettre d'avoir des informations autres que payer son article au supermarché. Donc, ouais. Ce qui est important de dire, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que c'est une marque connectée grâce à ce code que tu nous as montré, que tu portes d'ailleurs devant. Alors, il peut être porté devant comme il peut être porté derrière. Alors, il n'y a pas que des t-shirts, il y a aussi des casquettes, il y a aussi plein d'autres choses qu'on verra d'ailleurs dans le défilé, certainement. Ça permet aussi de retrouver sur une seule et unique plateforme les commerçants, comme tu l'as dit, partenaires avec toi, ouais. Des promos, des bons tuyaux. Enfin bon, voilà, ça permet, c'est comme une espèce de, j'ai envie de dire, conciergerie un petit peu privée qui permet, grâce à ce fameux code, de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe dans chaque commune. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est Made in Montpellier. Tu l'as dit avant, il y a eu Made in Grande Motte, mais ça continue encore sur la Grande Motte, bien sûr. Ça ne s'arrête pas, ça ne fait que de se renforcer. Est-ce que les commerçants qui sont un petit peu, des fois très sollicités d'ailleurs, en termes de marketing, est-ce que maintenant les commerçants viennent un petit peu plus vers toi pour te dire « Ah bah ouais, tiens, moi j'aimerais bien parce que ça m'intéresse, c'est moderne, c'est jeune. » Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour toi maintenant? Alors, est-ce que tu m'as entendu ou pas, Jonathan? Ça a coupé, excuse-moi, j'attends que ça revienne. Ouais. Je te disais, est-ce que tu m'entends ou pas? Bon, Jonathan, il y a des petits problèmes de connexion. C'est vrai que la Grande Motte, c'est pas réputé pour le réseau. Ouais.
Oui. Si on m'entend, si tu m'entends, c'est déjà ça. Oui, Donc, oui, j'ai entendu ta question en tout cas. Mais oui, ben, justement, par rapport au travail que je fais sur le terrain en allant voir les commerçants ou les associations, ça permet déjà, dans un premier temps, de me repérer dans le territoire. Et puis aussi, grâce aux médias, hein, par exemple, j'ai eu un article en janvier par le Midi Libre que vous pouvez trouver sur Internet qui parle de ma marque. Et justement, aujourd'hui, même la mairie de la Grande Motte est au courant de mon initiative, me soutient, le maire de la Grande Motte. Et donc, c'est vrai que tout ça amène un engouement en sachant que c'est une marque de vêtements qui est portée déjà par des commerçants qui sont partenaires. Donc, en fait, ça fonctionne assez simple, c'est-à-dire assez simplement. Le commerçant qui est intéressé pour porter ma marque avec le code barre, il peut commander des vêtements pour son personnel. Donc, j'ai l'exemple de, par exemple, un restaurant à la Grande Motte. Voilà, je ne vais pas dire le nom, mais qui est connu sur la Grande Motte. Et donc, il a voulu commander des t-shirts pour ses employés. Et donc, ça lui a permis. Alors, je mets leur logo devant pour quand même montrer le partenariat. Et derrière, où en fait, c'est eux, ils choisissent où ils peuvent mettre le code barre. Et donc, pour les clients, ça permet de reconnaître ce symbole-là, cette marque, ce signe de ralliement. Et donc, à force, les gens sont habitués, commencent à s'habituer à ce label, on va dire, qui représente bien l'identité de la Grande Motte. Alors, juste, si je suppose que tu m'entends là, c'est bon? Oui, je t'entends. Alors, on va juste parler du défilé. Là aussi, le défilé, il est fait avec une pointe d'originalité, puisque les mannequins qui vont défiler, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde, si j'ai bien cru comprendre. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est pas un défilé, on va dire, comme traditionnel, si je puis dire, par rapport au standard de mode de la Fashion Week, si je peux dire. Voilà, c'est vraiment un défilé proche du peuple, quoi, de la population. Pour moi, il doit représenter les habitants, ceux qui y vivent d'abord. Et donc, et aussi la diversité des populations qui vivent dans nos villes, si je puis dire, en sachant que je pourrais aussi par la suite organiser un défilé dans un village ou autre. Et donc là, ce sera le même principe de faire appel aux gens de la ville. Donc, j'ai organisé ce défilé en faisant un casting. Donc, il faut savoir que ça fait déjà, on va dire, un an que je suis sur cet événement. J'ai fait plusieurs castings sur Montpellier pour sélectionner les différents modèles. Donc, pendant le défilé, vous allez retrouver ben, différents modèles de différents âges, Différents vêtements. différents vêtements. Donc, il y aura des plus de 30 ans, des soixantenaires, des enfants. Voilà, Ouais, c'est vraiment mélangé. c'est ça qui va être absolument génial. Alors, si les gens ils veulent venir voir ton défilé pour t'encourager, parce que c'est ça qui est très important aussi, c'est d'y aller pour venir encourager des jeunes créateurs comme ça, il faut qu'ils aillent où exactement à Montpellier? Donc le défilé aura lieu dans un restaurant près de la mairie de Montpellier, à Port-Marianne. Donc le restaurant, c'est le BG, Brasserie BG. C'est rue de Galata, près de où il y a le lac, juste derrière. Et donc voilà, c'est un lieu très convivial et chaleureux. Donc le défilé commence, enfin la soirée commence à 19h et donc le défilé va se passer durant cette soirée. Vous pouvez aussi venir justement pour manger vu que c'est un restaurant et en même temps que vous allez manger, vous pourrez voir les modèles et le défilé. Et aussi, je tiens à dire que j'ai aussi rajouté une petite surprise, c'est-à-dire une chanteuse que j'ai découverte dans la rue de Montpellier, d'ailleurs, près de la Comédie. Ça aussi, ça fait partie aussi pour moi, d'une des particularités de la marque, c'est de mettre en avant aussi les artistes de la ville. Donc, c'est une chanteuse qui s'appelle Sarah.
que j'ai croisé, que vous pouvez voir souvent près de la Comédie, qui vient avec son matériel dans la rue et vraiment qui a une voix magnifique. Et quand je l'ai vu, je suis tombé sous le charme. Et je l'ai retrouvée sur les réseaux, je l'ai invitée et elle sera là. Donc sur son Insta, c'est Sarah Song. Si vous voulez la suivre, Sarah Sara, Song, Songs. Vous pouvez voir déjà ce qu'elle fait sur Insta et elle sera là pendant la soirée. Bon, et puis qui sait, qui sait, on lui fera peut-être une petite interview parce que ça fait toujours un petit peu de publicité. Et nous, Mais on c'est en serait certain. ravis en tout cas de l'accueillir et de pouvoir Exactement. échanger grâce à toi. On vous rappelle l'événement, c'est le défilé de mode qui a lieu. C'est une grande première, un défilé de mode avec la marque connectée Made in Montpellier qui aura lieu à Montpellier, bien sûr. Tous les renseignements, vous le voyez sur l'affiche. Et puis si vous voulez qu'on aille avec nos caméras faire un petit reportage sur ce premier défilé de Jonathan, marque connectée Made in Montpellier. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de votre écran, le chiffre 3. Voilà, merci beaucoup Jonathan et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Ça marche. Merci à toi, Willy. Et bonne continuation à Happy TV. Merci pour le soutien. Et votez pour nous. Votez pour le défilé.